Brigitte, alors bienvenue dans mon vlog d'automne. Et c'est le dernier épisode que je vous fais parce que je vous reviens sur le festival de la Petite Lune. Ça a été vraiment une fin de semaine formidable, fantastique. On a rencontré des belles personnes, on a vu de la belle Lune. Pour moi, c'était comme un rêve réalisé. C'était la première fois que je participais à un festival et j'en reviens avec plein de bons souvenirs. Et avant tout, je tiens à remercier les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont salué. Je vous avais dit dans mon dernier vlog, si vous me voyez, si vous me reconnaissez, saluez-moi, ça va me faire plaisir. Oui, ça m'a tellement fait plaisir parce que là, moi, je suis toute seule chez moi, devant ma caméra. Ça n'a pas autant de sens que quand quelqu'un peut nous approcher et nous dire, oui, je vous écoute, vous me faites du bien ou en tout cas, différentes petites choses qu'on s'est parlé entre vous et moi. Alors, ce fut vraiment de belles rencontres et merci encore. Aussi, je voudrais m'excuser pour certaines personnes. J'étais très fébrile à ce festival. J'ai rencontré des gens que j'écoutais dans certaines podcasteuses, puis j'avais l'impression, comme je leur ai dit, d'être dans un show, pas comme dans un show rock, qu'on a nos artistes, puis enfin nos vedettes. J'ai même l'impression d'être une vraie groupie. Alors, j'ai peut-être été un peu, comment dire, un peu, je m'étais fait des notes un peu trop enthousiaste, mais c'était de bon cœur. J'étais contente de vous voir, mais je m'excuse si j'en ai bousculé quelques-unes. Peut-être que ça vous a fait plaisir aussi, mais je ne sais pas, des fois, on veut passer peut-être incognito, on veut peut-être arriver puis avoir simplement le plaisir de regarder la laine sans que les gens nous parlent, nous apostrophent. Mais moi, c'est ce que je m'attendais pour moi. Alors, si j'ai fait la même chose pour les autres, peut-être que j'en ai frustré. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, je vous dis que c'était un plaisir, mais vraiment un plaisir de vous rencontrer les podcasteuses que je suis. Je nommerai pas parce que j'aurais peur d'en oublier. Par contre, je tiens à remercier Émilie Sévalé des Dompteuses de fil. On rencontre cette petite femme-là. Elle aussi, je pense qu'elle était enthousiaste d'être là. À nos rencontres, alors, ils se sont même fait faire des petits écussons à leur nom. J'ai trouvé ça tellement délicat. Et en plus, lors de la journée, à la fin de la journée, il y avait une soirée tricot. Alors, il y avait deux salles où est-ce qu'on pouvait tout simplement s'installer et tricoter avec d'autres personnes. On arrive. On commence à regarder la première salle. Ça avait de l'air plein. Regarde la deuxième salle. Ça avait de l'air plein. Je regardais, je m'étais tiré le cou dans les portes pour voir si on avait une petite place pour deux personnes. Ça semblait vraiment plein. Mais là, tout d'un coup est arrivée Émilie. Elle dit, vous cherchez de la place? Venez donc vous asseoir avec nous. Quel bonheur, quelle gentillesse, parce que en plus, c'est une table très bien garnie. Puis, tant qu'à faire, je pourrais saluer Nancy d'une maille par jour qui est assise là. La compagne de podcast d'Émilie et Julie, quelle gentille personne. On a parlé tricot, on a parlé de choses et d'autres, et ça fut vraiment une belle journée. Et en plus, ma voisine de chaise était Marie-Christine Lévesque. Marie-Christine, merci, merci
d'avoir simplement accepté d'échanger avec moi. Ah, quelle belle soirée! Vraiment, là. Je mets ça dans mon petit panier à souvenirs, dans mes beaux souvenirs. Alors, c'est ça. On a fait, là, je regarde mes notes parce que je ne veux pas oublier rien. Je ne veux pas nommer toutes les... C'est ça, tantôt, je ne veux pas nommer toutes les personnes que j'ai rencontrées. Je me souviens aussi, il y avait une petite dame qui fait un podcast qui vient du Saguenay. Je pensais aussi aux gens qui avaient des kiosques. On était bien accueillis. On nous proposait, on était bien guidés. Vraiment, là, c'était formidable. Alors, chapeau aux organisateurs. Et le plus drôle, c'est que dans la soirée, il y a des prix de présence. On avait eu des petits billets en cours de la journée, puis on nous avait dit, allez porter ça au cours de la journée, et puis après, à soir, on va faire tirer ça. Les salles fermaient à 5 heures. On était à notre chambre d'hôtel, on s'aperçoit à 5 heures moins 10 que les billets n'avaient pas été donnés. Alors, je me dépêche, je me rhabille, prends les billets, puis on était quand même au 6e étage. C'est vrai qu'il y a des ascenseurs, ça va vite, mais dans une autre aile. Je suis arrivée, je suis 5 heures moins 5. J'ai mis mon petit billet dans la boîte, mes deux billets dans la boîte, le mien et celle de mon ami. Puis on s'était dit, bof, peut-être que je me dépêche pour rien. D'habitude, on ne gagne jamais. Ben non. Mon ami a gagné une belle tasse. Moi, j'étais vraiment fière. Vraiment fière et contente pour elle. Alors, cette petite anecdote de soirée du festival de la petite Lienne. Mais je suis certaine que vous ne voulez pas juste entendre parler de mes anecdotes, puis de mes rencontres. Vous voulez entendre parler de la laine. Alors, je vous montre ça. J'ai un petit peu, comment dire, je suis un petit peu gênée de vous dévoiler tout ça. J'ai fait une photo sur Instagram, puis je trouvais, je voulais pas avoir l'air de la dame qui dit, wow, regardez ce que j'ai acheté, puis ça vaut quand même beaucoup de sous. Mais je vous dois dire que j'en achète pas souvent de la laine. Puis je veux pas non plus me trouver des excuses. J'assume entièrement mes achats. Mais je veux pas non plus avoir l'air d'une prétentieuse acheteuse de laine. Alors, pour commencer, je vous montre mes beaux boutons que j'ai trouvés. Là, il y a celui-là. Alors, il se vendait en paquet de 6, comme ça. Des beaux boutons de bois, boutons faits de bois recyclé. C'est fait à la main par Rose Lafleur. J'ai acheté ça pour aller avec mon mari Étienne, justement, que mon mari Étienne est en train de se faire bloquer. Alors, dans mon futur podcast, mon futur journal créatif, je vous montrerai la fin de ce chandail. Alors, j'ai aussi, ce matin, vous m'avez vu tricoter ma belle laine alpaga que j'avais déjà dans mon stash. C'est de la laine alpaga de Charlevoix. Elle a 50% d'alpaga et 50% autres d'une autre matière. C'est vraiment une laine à bas. La couleur est superbe, elle est grise, rose, blanche. Et j'ai commencé des bas. Je vous avais dit la dernière fois que je n'étais pas certaine du patron. Alors, vous imaginez que j'ai acheté le livre de Marie-Christine, le livre champêtre. Et là, en feuilletant, j'ai trouvé la paire de bas que je vais tricoter. Que j'ai commencé à tricoter ce matin. Alors, j'ai commencé à tricoter les bas poésie. Je crois que ça va être un très beau modèle pour cette belle laine alpaga de Charlevoix. Alors, voici, j'étais contente de commencer un nouveau castot.
Parce qu'hier soir, j'ai terminé de tricoter mon maritime. Il me reste à poser les boutons. Et là, il est au blocage. Bon, alors, comme achat aussi. Premièrement, je me suis acheté le beau sac. Le beau sac du festival, la petite laine. Avec le, sur lequel on nous a mis une belle petite pin. Je ne sais pas si on va bien l'avoir, une belle petite pin du festival. Alors, ça représente un très beau souvenir. Alors, pour tant qu'avoir acheté, il y a plusieurs de tant qu'à. Hein? Alors, tant qu'avoir acheté le livre de Marie-Christine, j'ai feuilleté et j'ai trouvé. Je vais enlever ça pour. Attendez, je vais marquer ma page et je vais vous montrer des bas que je veux confectionner à mes dans la prochaine année. Alors, je feuillette et je vais vous montrer ça. Ça ne sera pas long. Il y a vraiment des beaux bas. Vraiment. Marie-Christine, c'est. Une designer hors pair. Alors, on a ces beaux bas-là. Ce sont les bas porte-bonheur. Quel beau mot! Alors, porte-bonheur, probablement dû aux toutes les petites trèfles. Les petites trèfles, ça porte-bonheur. J'ai l'impression que les petites dentelles, ce sont des petites trèfles. Alors, qui représentent des petites trèfles. Alors, j'ai trouvé. Ça ressemble vraiment beaucoup aux créations Telle Mère, Telle Fille. Cette laine qui est 80% laine et 20% de nops noir. Je n'étais pas certaine de la résistance pour une paire de bas. Par contre, je suis allée voir Marie-Christine et elle a dit « Regarde, tes nops, c'est du nylon. » Alors, déjà, il y a une certaine résistance. Peut-être, on m'a suggéré aussi de doubler mes talons avec un mohair. Mohair qui peut avoir mohair et soie ou mohair et nylon. Il en existe. Mais, je m'essaie. Je fais comme Marie-Christine. Marie-Christine n'a pas doublé ses talons. Alors, je m'essaie. Et d'une façon ou d'une autre, je ne porte pas. Mais j'ai plusieurs paires de bas, puis je ne les porte pas aller-retour. Fait que je les trouve beaux, comme son patron. Fait que je vais faire pareil. Alors, voilà la belle laine de des créations Telle Mère, Telle Fille. Pour faire la prochaine paire, parce que j'en ai acheté pour deux paires de bas. Alors, on a les bas ici, cottage. J'en ai jamais tricoté de laine auto-rayante. Alors, j'en ai trouvé de la belle. La voici. Alors, elle vient de Maille à part. C'est une laine tête à la main. Alors, on voit le petit écheveau qui accompagne le plus gros. Il y en a vraiment pour une paire de bas. La quantité est... est parfaite. Alors, la couleur est Prairie Mini Lavande. Oh, excusez. La couleur est Prairie. Et celui-là est Mini Lavande. On va avoir des rayures vertes, des rayures grises, des rayures lilas ou lavande, même couleur que la Mini Écheveau. C'est un 75% Merino Superwash, 25% nylon. Alors, un autre beau projet pour l'année qui se vient. Ça aurait pu arrêter là, mais non. Je vous ai dit que je vais me faire une tuque Oslo pour cet hiver. Alors, pour ma tuque Oslo, j'ai trouvé... de la laine chez Beaufibre. Alors, chez Beaufibre, j'ai pris 7 écheveaux. C'est 75% mérino, 25% nylon. C'est une laine à chaussettes, qu'on peut très bien faire autre chose que des chaussettes, on le sait.
Ça fait que la couleur est Antonella, que je vais marier, que je vais accompagner en double avec la laine peau fibre aussi. C'est la couleur Wilma, qui a 72% super kid mohair et 28% soie. Alors, quand on regarde de proche, on retrouve un petit peu la même couleur que celle-là. On a des variations de rose, de lilas. Et même ici, on a comme une petite tache de jaune. J'ai bien hâte de voir ce que cela va donner. Ah! Ça doit être assez beau. Ça, je vais les commencer cette semaine. Parce que l'hiver s'en vient avec la gelée qu'on avait ce matin. Je crois que ce matin, il devait faire moins 2. Je suis allée marcher à 7h30 quand je me suis levée à moins 2. Il va faire moins 2. Puis quand je suis allée marcher ce matin, j'étais contente d'avoir mis mon bandeau, mes mitaines. J'avais même sorti mon manteau d'hiver. On était à moins 1. Donc, j'ai marché, puis je m'en ai profité pour prendre une belle vidéo dans le rang chez moi. Près de chez moi, il y a une plantation d'érable. Alors, à la fin de ce podcast, je vous montrerai cette belle plantation. Alors, on continue. Je n'ai pas fini. Alors, de la Fibrani, j'ai venu acheter une quantité gilet. Ça, là, j'ai vu un chandail fait. Ça avait tellement de l'air riche. Il y avait, c'était lumineux. La texture. Oh! Un autre, ça, c'était vraiment un coup de cœur. Alors, c'est une tibétaine fingering. C'est 65% superwash merino, 20% soie et 15% yak. C'est d'une richesse et la couleur, c'est Selena. J'ai déjà une idée du patron que je vais faire. Je ne sais pas, je vais être capable de tout faire cette année. Mais j'ai une quantité de 2 ou 3 échevaux. Ah tiens, j'ai 3 échevaux. Ça va être suffisant pour me faire un chandail. Voilà, la Fibrani. J'ai trouvé, vous connaissez sûrement cette laine, j'en ai acheté, c'est de la Chopperl, ok, j'ai de la difficulté avec les noms. Je vais vous montrer l'étiquette, ça va être beaucoup plus simple. Alors, cette laine, je l'ai achetée pour, je vous dis la composition, ça va être peut-être mieux. Il y a beaucoup de petites étiquettes. Mes lunettes pour m'aider. Hein. Je vous dis ça, je pense que je l'ai trouvé. Laine vierge. Et je me cherchais une laine qui change de couleur pour mettre dans un jacquard. Le jacquard de... comment elle s'appelle? Non, excusez, je vais la retrouver. Le jacquard de Camille Déco. Camille Déco. Je me souviens plus du nom de son chandail. Mais moi, j'ai une laine blanche qui vient de Pure Laine. Une déca. Et ça ici. Ça se vend en déca et ça se vend en fingering. Alors, je vais acheter en déca. Et ça va être la laine que je vais mettre au travers de ce jacquard. Voilà. Bon. Il y a peut-être un cal qui va se commencer. Isabelle de... Je
raconte-moi un tricot. Isabelle et Julia veulent probablement lancer un local du lundi cardigan de Camille Descoteaux. Alors, pour ce faire, il fallait de la souris et de la fingering. Alors, j'ai magasiné mon but premier quand je suis allée à la petite laine, c'était de me trouver la laine pour faire ce gilet. Alors, chez Sœur Hélène, regardez-moi la couleur. Ah, oh, ça va donner du teint à la petite madame aux cheveux gris. Alors, c'est la base Malou. Sa composition est de 70% mérino, 20% cachemire et 10% nylon. Tellement agréable au toucher. Et son nom, c'est Aquamarin. Je suis arrivée à temps, il en restait deux. Deux. Et j'ai calculé, et j'espère que je vais en avoir assez. Ce qui va m'aider, c'est que j'ai le corps court. Ça fait que, bonne chance que j'en ai assez. Alors, cette laine-là, je vais l'accompagner de cette souris. Regardez-moi. Cette richesse de couleurs. Alors, cette souris, elle a été aussi prise entre Sœur Hélène. C'est aussi la teinture aquamarin. C'est ça qui est beau, hein? Regardez, ça donne même pas la même chose. Juste à cause, c'est une texture de laine différente. C'est ça la richesse de la teinture. Alors, c'est la base Luca. C'est une composition 74% de bébé souris alpaga et 26% soie. Alors, j'attends le départ du calme. Isabelle, Julia, je vous écoute. Je suis prête. Je suis prête pour... c'est vrai que je veux... ce gilet fait en brioche, au point brioche. Je vais sûrement me pratiquer un peu parce que je n'ai jamais fait de petit point brioche. Alors, je vais sûrement me pratiquer avant de faire ce gilet, ce chandail. Alors, voilà, c'était mes achats. C'était toute ma recherche. Je me promenais. Celle-là, là, on disait, on barre les portes de l'auto. On n'avait pas peur de faire voler notre sac à main. On avait peur de faire voler notre sac de laine. Alors, voilà, ce sont les pépites que j'ai trouvées au Festival de la Petite Laine. Alors, si je regarde mon blabla, le Festival de la Petite Laine, c'est pas mal tout ça que j'avais à vous dire. Bon, la journée est jeune. Dernièrement, j'avais fait une vidéo, j'avais filmé mes citrouilles. Vous allez voir que j'ai des petits... C'est faisait un petit peu plus chaud. Alors là, je les ai rentrées. J'ai fait... avec mes citrouilles, j'ai fait mon décor en avant pour que ce soit beau quand... En fait, semaine prochaine, c'est l'Action Grâce. Mes enfants viennent et... Ça va être la fête, bien pour la fin de semaine, alors je veux que ce soit beau. Alors, j'ai fait une petite... Puis, c'est aussi accueillant pour l'Halloween, quand les enfants passent pour l'Halloween, pour venir chercher des bonbons. Alors, j'ai fait ce décor extérieur que je vais vous mettre à la fin dès que j'aurai fini de vous placoter ça. Et j'ai fait aussi des muffins avec cette citrouille. Alors, la citrouille, je l'ai mis en purée. Et après, j'en conserve des petits pots au congélateur. Exactement la quantité qu'il me faut pour faire mes muffins. Et durant l'année, j'ai encore de la purée pour faire ces excellents muffins à la citrouille. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie de votre écoute. On se revoit une prochaine fois, là maintenant, pour mon journal créatif.
mon journal créatif que je consacre au tricot et à la couture. Alors, merci. Je vous souhaite un bel automne. Profitez de cette belle nature et profitez bien pour tricoter. Bye!